je sorte avec une meuf, je l'ai embrassée, même pire que ça, et, et c'était un mec. Oh ! Ah bah enfin ! Wow, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Là, ah, tu m'entends là ? Ouais, je t'entends, ouais. Mais moi, je t'entends ou pas ? Ouais, là, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Certain que la certif sur Discord, hein ? Hein ? Certain que la certif sur Discord. Ah ouais, je suis validé par les extraterrestres. Hey, c'est la seule certif qu'on touchera à moi et ton royaume de toute notre vie, hein. Sans en sûr, hein. Ça, là, Twitter, là, Instagram, là, ouais, là. Certifié rien. Par les parents ou par B, c'est tout. Exactement. Tant qu'on est certifié par les parents ou par B, c'est le plus important. Mais donnez la certif quand même, donnez la certif. Ouais, parce que quand même, on a envie de faire des Non, les parents, c'est bien, donnez la certif quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as bien dormi, Croyant? Ouais, franchement, j'ai bien dormi. J'ai dormi. Mais t'as renflé quand même hier soir quand on s'est couché, Croyant. T'as couillé, Ah, tu m'as entendu? Ah, t'as, bah, j'étais plus qu'entendu, Croyant. T'as renflé, hein. Fouf. T'étais pas épilé. Ah non, Roya. J'ai senti quelqu'un. Voilà que c'est vrai en plus, Roya. J'ai raconté tout à l'heure. J'ai senti quelqu'un tout à l'heure s'allonger à côté de moi et me souffler dans le cou. C'était toi? C'était toi ou c'était pas toi? Bismillahirrahmanirrahim. C'était toi? T'es venu. T'es venu. Dis pas non. Je suis venu. Ah, j'étais sûr. T'es touché les fesses, mais t'es pas. Bah non, en fait, ton nez m'a touché avant ta bouche, frère. C'est incroyable. Oh merde. Eh ouais, sûr que j'étais gris direct, Roya. Mais pourtant, je devais aller en Turquie. Hein? Ah, je t'ai pas dit. Pourquoi faire? En fait, je devais faire deux choses. Ouais. Le nez et Pour de vrai? Ça va pas, non. Peut-être. Ça va pas, non. Peut-être. Attends, ça va pas, non. En ce moment, les gens ils vont pour les cheveux, ils vont pour les dents. T'as vu ou pas? Les dents? Qui les a? J'ai vu les rappeurs, la plupart. Quand tu sors un album. Ah ouais, la crime. La crime, Nars, ouais. Mister You. En fait, tous ceux qui ont sorti des albums cette année, je me suis dit, ça, ils font tous la même chose. La crime, il est parti, frère. Oh là, il a une dentition de poney, Roya, maintenant. T'as vu? Incroyable. Moi, je vois que ça. Moi, là, je vois que ça. C'est trop. Il est plus crédible. C'est plus la crème. Ah bon, t'as vu? Il rappait. Et du coup, tu pars quand, toi, pour les dents? Non, j'ai pas envie de partir parce que ça coûte cher. C'est bon, hein. Mais ça coûte cher. Ah ouais, parce que flemme de rigoler avec une main devant la bouche, quoi, tu vois, c'est relou. Voilà, c'est compliqué. Ah ouais. Voilà, Mskina, j'ai une tante, elle rigolait quand même, c'est comme ça, Mskina, quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi Khalti, elle rigole avec la main devant la bouche, elle me dit non, parce qu'elle est timide. Je fais, what? Comment ça elle est timide, wesh? Comment ça elle est timide, wesh? C'est chelou comme explication, quoi. T'avais rigolé, t'as pleuré. Voilà, frère. Des fois, il m'a pareil, il me lâchait des explications, frère, ça m'a retourné le cerveau, là. T'as dormi à quelle heure, regarde? Vers les 2h du matin. Ouah, ça va, hein. Mais toi, tu sembles déréglé, hein. Non, hier, je dormais 21h30, regarde. Tire vers quelle heure? Premier réveil, 22h30. Parce qu'on m'a soufflé dans le cou. Et après, du coup, je me suis rendormi et je me suis réveillé à 3h30 parce que j'avais envie de pisser. Et après, impossible de redormir, quoi. Du coup, je jouais avec ça. Et après, voilà. Mais je peux te poser une question? Bien sûr, avec plaisir. Ouais, moi, la journée, je suis pris, mais le soir, je suis là. Il y a une grande personne qui m'a dit ça. Bah, je travaille actuellement, je travaille. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser, tu vois. Là, je travaille. Là, je travaille. Mais non. Bah oui, c'est du travail, Roya. J'ai une fiche de paye et tout, Roya. Déclaration à l'URSSAF et compagnie. Bah oui, c'est du travail, Roya. Mais non. Oh, on parle pas d'URSSAF. Oh, les problèmes. Oh là là, j'ai reçu un mail en plus. Le mail, il commence très mal. Très mal, pardon. Notification contentieuse de votre URSSAF. Ce mot-là, j'aime pas. Ah ouais, moi aussi. Notification contentieuse. Ah, il m'a répondu mon comptable. Oh, c'est un courrier de remise gracieuse. Oh, ça va. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est bon, c'est ok. Ils m'ont fait une remise de 257 euros. C'est pas rien. Ça va. C'est pas rien sur un million. C'est pas rien. Ça me fait plaisir. Rien. Merci beaucoup à l'URSSAF qui regarde. Je suis sûr qu'il regarde mes vidéos et tout. Mes vidéos. C'est sûr qu'il regarde. Hein. Ah bah alors là, mon pote. À partir du moment où il regarde ton compte en banque, il regarde tout. Il regarde tout. NS ? Ouais ? Ça fait longtemps que je rêve plus, moi. Comment tu rêves plus? Tu rêves plus de moi ou tu rêves plus tout court? Non, je rêve plus tout court. Allez, non, tu dois rêver, mais en fait, on oublie tous. En fait, on rêve tous, mais on oublie. Ouais. Mais moi, beaucoup de fois, j'ai l'écran noir, tu vois, dans ma tête. Je me réveille. J'aimerais bien me dire, genre, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, en fait, c'était qu'un rêve. Non, ça fait longtemps, j'ai pas ça. Ouais, je vais dire les termes, ok? J'ai rêvé, je sortais avec une meuf, je l'ai embrassée, même pire que ça, et. C'était un mec. Oh!
Oh, voilà, c'était un mec. Oh, attends. Ouais. Il était beau au moins. Il était beau au moins. Hein? Bah, Ness? Il était quoi? Il était chez. Ness? Oh là là. Non, c'était. Hein? Il était. Je sais pas. J'étais énervé, frère. J'étais énervé. La vérité, j'étais énervé. Croyez, tu l'as embrassé et tout? Pire que ça, frère! Imagine! Ah oh ouais, non, ça fait. Imagine, frère! Attends. Genre. Oh, yes. Bah ouais. Des trucs comme ça. C'est grave. J'ai gardé. Heureusement, j'ai gardé le ticket. J'ai gardé le ticket de caisse. Ah ouais? Je vais le rendre au magasin, frère. Je vais rendre mon rêve au magasin, comme ça, je. Ah frère, ouais, c'est bah, trop, faut le rendre. Tu sais que ça m'a arrivé plusieurs fois, ça. Oh là, ça. C'est hein? Grave. Voilà, c'est quoi ça? Usurpation d'identité, c'est quoi ça? Non, plusieurs fois? Ouais! Annette, il faut te poser des questions. Mais ouais! Mais je me pose des questions, regarde. Qu'est-ce que veut me dire mon inconscient? Tu mon vois? Mon inconscient, il veut que tu te fasses fourrer. Non. C'est simple. Non, je préfère. Non, mais dis pas ça! Mais écoute! Dis pas ça, wesh! Mon inconscient, il veut que. Par exemple, tu. En fait. Ouais, t'as non, vu? Mais j'ai compris, mais non. Genre, c'est ça, il veut. Non. Moi, j'ai un pote, si tu veux. C'est un ami à moi, il peut te rendre service. Non, mais ouais, il rend service à quelqu'un d'autre. Rouya, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ah, voilà. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est ton pote qui a réglé le souci. Ok, je comprends. Non. Ouais, tant mieux. J'ai rêvé de nous. Comment ça de nous? Genre, on était... Attends. Comment ça de nous, wesh? Genre, c'est la première fois de ma vie que je rêvais de nous. Et genre, par exemple, et genre tu me disais, attends, je vais te mettre 10 C4. Après, je disais, ah bon? Ah, ok, C4, ok. Hein? Ok. Après, j'ai dit, je préfère que tu me mettes autre chose. Après, tu m'as regardé. Après, t'as couru, t'es rentré dans une voiture, un cabriolet. Mais voilà pourquoi on fait plus de vidéos ensemble, Roya. C'est normal aussi, wesh. Mais il faut leur dire. Bah ouais, mais frère, tu fais des rêves chelous aussi, wesh. On était. Hein? J'ai jamais rêvé de ça, moi. Moi, le mec, le mec de ce soir, il te ressemblait pas, quoi. C'était un blond. Oula, c'était un blond. Là, tu sais, il avait des pics avec du gel comme ça. Oula, je connais même pas de gens comme ça, frère. Je l'ai jamais vu de ma vie, ce mec-là. Blond. C'est pas le Logan Paul? Ouais, à peu près. Il ressemble à la même, ouais, la même dégaine, ouais. Oh, en plus, tu rêves de vrai bail, toi. Ah bah, rien. Tu fais pas semblant, non? Ah bah, je mange bien avant de manger parce que ça consomme, hein, les rêves. Hein. tu rêves pas de personnes comme Snake ou comme moi? Tiens, mais attends, tu rêves quand même de. Faut bien manger avant. Si tu veux rêver de Snaku, faut bien manger, Roya. il consomme, le gamin. Ah bah oui, Roya. Eh, ça prend de la ressource, hein, la mémoire, les pixels et tout, ouais. Oula. Faut avoir de la RAM. Faut avoir un PC compétent, Roya. Oh la vache. Oh non. T'as mangé quoi? Quand? Je viens de me réveiller. Ah oui, mais j'ai mangé du dentifrice, là. Tu veux que je mange quoi? T'as mangé quoi? Elle a dit quand? Ah ouais, quand? Ça se voit que t'as pas mangé. Ah ouais. Voilà que non. Ça fait longtemps que t'as pas mangé, je crois. Et toi, t'as mangé quoi? Bah là, tout à l'heure, j'ai mangé un Kinder Delice au calme. Et juste avant, Roya, dis-toi, à 5h du matin, vas-y, devine ce que j'ai mangé, vas-y, je te laisse deviner. À 5h du matin? 5h du matin, Roya. Attends, toi, t'es le genre de mec qui mange du flocon d'avoine? Presque. Presque. Des Kellogg's? Presque. Des muesli? Ah, on s'en rapproche. De la salade de maïs? Non, bah non, t'étais plus proche. D'accord. Des biscottes? Non, des crevettes royales avec de la sauce cocktail. Attends. Voilà, j'ai mangé des crevettes sauce cocktail royale, 5h du soir. Ah là là. Dis-t'en rapproche. De la sauce cocktail. Qui achète ça? Moi, présent, je suis là. Mais t'achètes ça où? Voilà, à la fin, j'avais même plus faim, frère. Wow, mais Roya, normalement, même t'ouvres la boîte, ça y est, t'as plus faim. Roya, quand même. Attends, 5h du matin. Cocktail de crevettes. Roya, c'est pas normal. Oh là là, t'aimes pas les crevettes? Mais Roya, j'aime ni les crevettes, ni les cocktails. Sauce cocktail. Ouais, c'est pas dire cocktail avec des crevettes. Ouais, sauce cocktail. Quand même, mais respecte ton estomac. Bah ouais, je l'ai respecté, hein.
Roya, t'as déjà vu presque des cheveux, tu veux plus avoir des stomachs. Roya. Et après, j'ai mangé de la mangue. Pour le dessert, tu vois. Ça c'est toi. Ça c'est bon. Ça, non, c'est bon la mangue. Non mais ça c'est toi. Ça manger des fruits que les gens ne mangent pas beaucoup. T'as ça, mangé quoi toi? Roya, j'ai mangé du dentifrice. Non, ton dernier repas. Ton dernier Roya, repas. Franchement, hier soir, 21h, je me suis fait plaisir. Vas-y, raconte. Roya, je vais sur Uber Eats. Pizza. Base Hawaï. Attends, t'as encore de l'argent toi pour commander, tu me parles, wesh. Tu fais plus de vidéos, frère, tu fais plus de vidéos, comment tu fais? PayPal, il restait 17 euros. Alors écoute, explique ça, tout ça. Écoute, je vais sur Uber Eats, je regarde d'abord mon PayPal. Mon PayPal, il me dit, voilà que c'est chaud, mais j'ai quand même mon estomac, il est quand même important. 17 balles sur PayPal. Voilà, 17 balles, 17 euros, 10 je crois même. Wow. Je commande, et quand je commande, c'était 19 euros. J'ai dit, ah ouais, quand même, c'est cher. Les frais de livraison, tout ça. Rouya, ils m'ont dit, est-ce que tu veux prendre la différence sur ton compte en banque? J'ai dit, ok, j'ai pas réfléchi. J'attends un appel du banquier. Tout ça pour une hawaïenne. Ah là, j'ai dit, c'est déjà vu. T'as vrai une pizza hawaïenne? Voilà. Avec l'ananas et tout? Rouya, ananas. Après, tu me critiques quand je prends des crevettes à eau sauce cocktail. Là que ça tue, tu fais pas partie des. Attends, mais c'est pas fini, attends, juste termine. Le livreur, il est venu donner. Moi, je descends avec le masque, tu vois. Genre, je descends avec le masque et tout, normal. Ouais. Donc, j'ouvre le livreur. Le livreur, il me dit quoi? Attends, il m'a dit quoi? Ah, il m'a dit Oh, prince! Oh, il t'a reconnu, ouais. Ouais, j'ai dit oui. Après, il m'a dit attends, psahtek? Attends, comment on dit en rebeu? Psahtek? Psahraha? De quoi psahtek? Voilà! Il m'a dit comme ça. Il m'a dit Oh, prince! Il m'a donné la pizza. Bouf! Il m'a dit Allez! Psahraha! Il est parti. Bouf! Waouh! Il m'a agressé, là. Oh merde! La pizza, je voulais même plus la toucher. Ah ouais. Mais, dis-moi, quand t'as commencé à manger, tu sais, quand tu manges, t'étais en mode c'est bon, tu vois. Y'a pas ton voisin qui est venu, wow, mange doucement, wesh. Regarde, mon voisin. Alors là, mon voisin, franchement, s'il revient, je crois que je lui saute au cou. Pour l'embrasser, j'ai même peur de faire pipi. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais là, ça va. Là, maintenant, je me suis installé dans ma pièce YouTube. Il travaille là, normalement. J'ai calculé. Non, attends, j'ai calculé, en fait, chez lui, commencer et tout. Parce qu'une fois, j'ai déjà rentré. Ça fait tac, tac, tac. En fait, dans mon salon, en bas, c'est sa chambre. Attends, comment ça, t'es déjà rentré? Croya, je sais plus pourquoi je devais rentrer chez lui. Ah, t'as fait des bails chelous, Croya. Non, voilà. C'est ton ex, en fait, c'est ton ex. Non, hein? Dis-le, frère, vous êtes quitté en mauvais terme et maintenant il t'en veut, Croya. Ça, c'est probable. Ah, en voilà. Ça, c'est sûr. Non, voilà. Mais mon ex, non. Non, mais Croya, attends, mais écoute, j'ai fait un plan. Bon, attends, ma chambre, la pièce YouTube, elle est de l'autre côté, elle est vers l'entrée, donc normalement, il m'entend pas. Ouais. J'ai dit, ok, je remets tout d'abord. Maintenant, je peux crier! Voilà. Ouais, comme toi, les faits qui vont arriver, frère, comme toi, wesh. Ah ouais. Bah là, vu que j'ai plus d'argent, donc je peux plus commander. Vas-y, je commande pour toi. Donc normalement, non, t'inquiète pas, Rouya. Tu as fait comment du coup? Dans mon frigo, il doit y avoir quelques olives. Il doit y avoir des pâtes. Je vais mélanger tout ça. Je vais dans ton frigo, il y a des pâtes? Non, il me reste des olives et il doit me rester quelques steaks samouraï. Ah, voilà. Hier, alhamdoulilah, j'ai fait les courses. Ah, t'as fait les courses? Ah, t'avais juste la flemme après de préparer à manger. J'ai été chez Aldi. Ah ouais, ah, c'est vraiment la hesse, hein. Wallah, c'est vrai. Oh la vache, c'est fini le prince team Gucci et tout, hein. Voilà, maintenant team Aldi, hein. Oh là là, ça, Inch'Allah, y'a personne qui me reconnaît. J'ai prié. Tu es un prince. Voilà, refais les dents, les seb, hein. C'est comment? Alhamdoulilah, y'a avec des vieux. J'avais l'impression de me sentir vieux, moi aussi. Mais tu sais quoi, c'est comme moi, hein. Je fais pas de vidéo, les gens me disent, ouah, t'abuses, Anas, vas-y, sors une vidéo. Alors, c'est comment? C'est la hesse ou quoi? Pourquoi tu reprends les vidéos? Wesh! Voilà, ils ont une magresse! Wesh, tranquille! Ah, c'est vrai. Ça me fume. Leclerc, Action. Ah ouais. Action! Vrai bail. T'as connu Action? Bah, Action, il n'y a pas longtemps. Jamais Action. Non, mais écoute, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai connu Action. Il n'y a pas longtemps, ma daronne, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, il faut que tu m'emmènes encore. J'ai dit, d'accord. Je lui dis, on va où? Elle me dit, Action. J'ai dit, moi. Maintenant, je suis quelqu'un qui est connu un petit peu. Genre, on peut pas me voir chez Action. Ah ouais? Après, elle a cru qu'elle était maline. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, on va chez Babou. Je dis, quoi? Maman, c'est encore pire. Eh quoi, t'es devenu quoi depuis le temps du coup? T'as grandi, t'as grossi, j'ai mangé. Les meufs, les gars, les enfants. Alors j'ai grandi, j'ai grossi. Mariage. J'ai vieilli, je me suis pas marié. T'es toujours à Reims? Ouais, bah oui, je suis toujours à Reims. Okay. Tu sais qu'il y a pas longtemps, je suis passé à Nancy. Toujours là. Ah bon? Attends, mais je veux te dire, je me suis dit, je l'appelle ou je l'appelle pas? Après, j'ai regardé, il était, je crois, vers les 23h. J'ai dit, non, je peux pas l'appeler. J'ai dit, hop. C'est à quelle heure? Rentré.
Il était 23h. Non, mais c'était quand? Il y a un mois. Mais j'étais disponible! Et bah, j'ai pas osé. Je me suis dit, je vais pas le déranger quand même. Attends, tu faisais quoi là, Nancy? Quoi? J'ai déposé un. Ouais, une meuf. Okay. Un collègue à moi? Oui, c'est bon. Non, wallah. T'as déposé un collègue à toi? J'ai changé, hein. T'as changé? C'est fini maintenant. Maintenant, je suis plus un coureur de jupons. Ah, t'es un marcheur, mais tu marches. Je suis un coureur de shorts. Ah ouais? T'aimes les shorts maintenant? C'est ton kiff? Ah ouais, non, c'est bien. Non, mais. Et toi, tu me racontes quoi? Rien, on est là, rien. Go fast, les chiches. Ouais, normal, là, ouais. La routine, la vie d'un local, la vie d'artiste, ouais. Moi, quand j'ai vu que t'avais acheté ce genre de véhicule, j'ai dit, bon, ça y est, lui. T'as toujours la Mini? Ah ouais, mais oui, j'ai la Mini. Bah oui, si je vais encore mettre ça, elle dit. Hein? Je te l'achète? La Rouya, elle est au garage. Pourquoi elle est au garage? Voilà, Rouya, elle me pose des problèmes. En ce moment, elle me fait la gueule. Rouya, si j'avais. Voilà, elle consomme. Mais voilà, quand je te dis, elle consomme, Rouya. Tout ça, hein. Ouais. Je vais te dire la vérité. Un jour, je partais à Paris. Mmh. La voiture, elle commence à me signaler un coup de. Le moteur, ouais. Il est rouge. D'un coup. Ouais, ouais. Brrr. Je me mets sur le côté, bas côté. Je me gare, et d'ailleurs, je me suis pris des coups de sève par des voitures et tout, alors que j'étais dans le bas-côté quand même. Ouais, c'est pas de ma faute que la voiture elle s'arrête. Mmh. Et quand même, il me passait. Boum, boum, boum. Alors, moi, je faisais des doigts. Le voiture passait. Bah, il m'en bat les couilles. Après, je vois, il y a un. J'ai même pas eu le temps d'appeler la dépanneuse, que le dépanneur, il est venu direct. Il m'a dit, oh, je vous ai vu de l'autre côté de la barrière. Non. J'ai dit, ouais. Cool. Il me dit, elle a quoi la voiture? Bah, elle est neuve. J'ai dit, non. Il montre, il me dit, je lui explique donc le truc. Il me dit, la fumée qui est sortie du pot d'échappement. J'ai dit, Roya, j'étais en train de conduire, je pouvais pas regarder s'il y avait de la fumée qui sortait du pot d'échappement. Il m'a dit, ah ouais. Alors, c'était en période de Covid, hein. Ni masque, ni rien du tout. Je croisais les doigts, je dis, Inch'Allah, il a pas le Covid. Inch'Allah, il a pas le Covid. On était enfermés, lui et moi, dans un camion. Voilà, un camion. Mais le camion, c'était pas un camion, c'était un mini camion. Tu vois, pour une mini camionnette. Voilà, c'était une camion. Il l'a fait rentrer comme dans. Bref, et donc j'avance, il me dit oh ben ça c'est sûr, c'est joint de culasse. Hein? Alors j'ai dit monsieur, joint de culasse, c'est quoi? Il m'a dit alors je vais t'expliquer, joint de culasse, c'est ce qui est une partie de milieu, on est obligé d'ouvrir le moteur en deux, on est. Dit, ah d'accord, donc pour faire tout ça, monsieur, il faut payer combien? Il m'a dit toi, t'es entre 1800 et 2000 balles. Ouais, t'as rien compte ton compte PayPal, il est resté 19 euros, frère. Trouillard, je l'ai regardé, j'ai dit monsieur, gardez la voiture. Je vous l'offre. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini, Rouya. Il m'appelle 3 jours après. Il m'appelle. Ouais, c'est le mécano. J'ai dit ouais, je vous appelle pour la Mini. J'ai dit d'accord. Et alors, bah finalement, il n'y a pas que les joints de culasse. J'ai dit quoi? Il me dit ouais, bah là, c'est à hauteur de 5000 euros. Hein? J'ai dit Rouya, je t'ai dit, Rouya, garde-la. Il m'a dit, bah si vous voulez, je peux vous la racheter. J'ai dit quoi? J'ai senti l'entourloupe. Voilà, ça, tout ça. Hein. Bah oui, j'ai senti l'entourloupe. J'ai dit, attends, on me l'a racheté. Il me dit 5000 balles, ça va pas, non? Alors j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Voilà, j'ai dit, je vais réfléchir. Joker, j'ai raccroché. T'as il m'appelle le lendemain. Rouya, attends, c'est pas fini. Il me rappelle le lendemain. Je décroche pas. Je vois son numéro, il décroche pas. Il me dit, voilà que c'est un thug. 2 jours après, il me rappelle, je décroche pas. Et hop, après, il m'appelle, il me laisse un message. Il me dit, ah, monsieur, vous décrochez pas. La voiture, là, vous êtes en train de réfléchir, le garage sauvage, c'est compté. Il dit quoi? J'ai rappelé direct. Attends, il me dit quoi? Il me dit 800 euros le garage. What? J'ai dit, Rouya, c'est quoi ça? J'ai dit, emmenez-la chez Mini. Voilà. J'ai dit, emmenez-la chez Mini. Je veux plus avoir affaire à vous. 800 euros. Il l'emmène chez Mini. Rouya, j'ai payé 800 euros. Il me l'emmène chez Mini. 800 euros, la voiture juste regda dans un garage. Enfin, dans un. Dehors. Barra, la voiture elle dormait dehors, toutes les intempéries dessus. 800 euros pendant 7 jours. J'ai dit ok, là je me fais plus arnaquer. Il emmène chez Mini. Écoute, ouais. J'appelle l'assurance, je dis voilà, moi j'ai hors de question, j'ai payé 800 euros, je paye pas le transport. L'assurance elle commence à faire des techniques, mais bon, j'ai gagné l'affaire. Il la ramène chez Mini. Mini, 2 jours après, ils font le constat. Rouya, devine combien ils m'ont dit. Bah, 1500. Rouya, je rachète une Mini. Voilà, ils m'ont dit. Et Hakarabi, ils m'ont dit 7900 et quelques euros. J'ai dit, attendez. Je vous ai ramené une Mini qui est avec 400 000 km ou ça se passe comment? J'ai dit, la Mini, elle a 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Après, il me dit, ah, monsieur, la Mini, elle est de 2014. J'ai dit, d'accord, elle a combien de kilomètres? Il m'a dit, bah, elle a 120 000. J'ai dit, 120 000, vous, là, vous êtes. Elle a quoi en fait? Il me fait la description. Alors, la description, voilà, j'ai cru que c'était une réédition de la Bible. J'ai dit, attends, mais c'est quoi tout ça? Tac, je regarde tout ça, j'ai dit, wesh! Attends, DLC complet. Il va de la plaquette des freins, d'accord?
jusque finalement, joint culasse encore une fois. Voilà, il me l'a dit. Lui, il me l'a dit, mais lui, je l'ai cru. Quand il m'a dit joint culasse, il me l'a dit, lui, je l'ai cru. J'ai dit, écoute, Rouya. Attends, mais tu fais pas de révision, t'as rien fait, frère, de la voiture ou quoi? Rouya, j'ai fait des révisions il y a un mois, j'ai payé 3000 et quelques pour la chaîne de distribution, elle a éclaté, enfin bref. Wow. Là, je te dis, la voiture, on dirait elle a 800 000 km. Alors là, j'arrive, écoute, j'arrive chez Mini, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, d'accord, joint culasse, tout ça. Je lui dis, écoute, Rouya, là, 8000 euros, je peux pas. D'accord, c'est hors de question, c'est impossible. D'accord, même si je pouvais, voilà que je vous dis, regarde là, j'ai racheté une voiture. Mais, je lui ai dit l'essentiel. Je lui ai dit, écoute, tu me répares la voiture. Me parle pas de, me parle pas d'âge, me parle pas de joint de comment ça s'appelle, de frein, disque, tout ça. C'est consommé, d'accord, mais on peut rouler, on peut freiner. Il m'a dit oui, d'accord. J'ai dit, tu refais juste l'essentiel. Il m'a dit d'accord, je vous rappelle. Il me rappelle 5 jours après. Il me dit oui monsieur. J'ai dit oui. Il me dit bon, on a fait l'essentiel, on va faire l'essentiel, on attend juste votre accord. C'est 4000 et quelques. Rouya, 4000 et quelques. J'ai dit ok, faites-le, d'accord. Écoute, voilà, hein, ça. J'ai dit oui, faites-le. Rouya, ça fait un mois et demi, la voiture elle est là-bas. Je les ai pas rappelés, ils m'ont pas rappelé. Voilà. Donc tout là, se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Là, voilà. Je suis à pied. J'étais à pied. Je préfère être à pied. Que voilà. Je veux plus entendre parler de Mini. Ah, ouais, d'accord. Mini, c'est chaud, hein. Ce qui paraît, c'est Rouya, pas fiable. Rouya, c'est pas fiable et c'est cher. Ouais, ouais, c'est nimp. Non, mais tu te rends compte, Rouya, quand même. Même moi, là, Audi, faut que je fasse la révision, là. Fais-moi rêver. Ouais, machallah, fais-moi rêver. Donc, la Audi, genre, comment, quand tu rentres dedans, c'est comment? Oh, ouais, genre, c'est un paquebot, frère. C'est bien, c'est cuir et tout. C'est d'accord. Bien, tu vois. Ouais, et par exemple, quand t'accélères, la sensation. Ça accélère bien, ça pousse. Le bruit, il est comment, le bruit? Le bruit? Fais-le voir. Quand je les mets en mode sport. Ça fait tada, tada. Ça fait des, ça fait des dragons. Voilà, on appelle ça la pétarade. Mais je suis au moyen 15 litres au 100 quoi. Ah oui, quand même. Ah bah moyen. C'est du kérosène que tu mets dedans, non? Ah bah rien, 150 balles le plat quoi. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais. Toi, elle consomme combien la Mini? La Mini, je la faisais pas. Je parle d'elle au passé. Je la faisais pas tirer. Ouais, je pense maximum c'était du 11 litres, 12 litres au 100. Maximum. Sur les accélérations, moi je vois, ça monte à 33, 35 litres. Hein. Non, mais Rouya, toi, t'as. Machallah, t'as un avion. C'est ça que tu comprends pas. Une grosse voiture comme ça, avec ton petit corps. Voilà, j'imagine ton petit corps dedans. Les gens, ils doivent croire qu'elle roule toute seule. Ils te voient pas. Ouais. Vite teinté en plus. Eh ouais. Dis voilà, t'as ouais. Non, vite teinté à l'arrière, pas devant. Pas devant, non. Sinon, ça fait peur, tu vois. La question est combien de fois tu t'es fait arrêter? 0 fois. Ouais, mais t'as une tête de gentil. Voilà, 0 fois, frère. C'est les gens qui m'arrêtent pour me dire ah, c'est un cas, bien. Mais les flics, jamais. Voilà, jamais les flics. Jamais, j'étais même surpris. Voilà, les flics, jamais. Gendarmes, police, rien, frère. Voilà, moi, après, je roule pas comme un faux, frère. Je roule normal. Non, mais parce que c'est RS6, c'est ça. C'est des voitures, genre, habituelles de bah, ouais, tu connais, ouais. de GoFast, de grands voyous, quoi. Ouais, t'as déjà vu un mec qui fait un GoFast avec un siège bébé à l'arrière? C'est vrai. Ah, j'en connais. Avec une poussette dans le coffre. Ah, j'en connais pas beaucoup. Je me suis pas posé cette question, mais ils peuvent se dire ça. Ouvre le coffre, il y a une poussette. À l'arrière, siège bébé. Il y a des miettes de pain, il y a du gâteau, il y a des. C'est compliqué d'expliquer le GoFast, hein. C'est un appartement jetable. Ah ouais, c'est ça. C'est une chambre d'enfant mobile. Voilà, une chambre d'enfant mobile. Bon, Inch'Allah, t'auras des enfants, tu vas prendre, tu vois. Quand t'auras des enfants, Inch'Allah, tu seras motivé pour prendre un RS6. C'est sûr. Non, Rouya, moi je serais motivé à prendre un RS6. Mais mon compte en banque, il va me dire, Rouya. Ah, mais ça va. Tape une Citroën. Tu fais des vidéos, Rouya, les vidéos réaction, ça paye. Citroën. Hein? Vidéo réaction, tu fais du RP, tout ça, ça paye, Rouya. Tu fais des lives. Oui. Ça paye bien, Rouya, en vérité. C'est bon, j'ai tout noté. Voilà. Là, si tu comptes acheter une voiture, ce serait quoi, Rouya? En vrai, de vrai, j'aimerais trop une RS3. Ah ouais? Ouais, moi je suis amoureux de. Ouais, ouais, toi, t'as trop écouté le rap français et tout, ouais. Non, pas du tout. Non, en plus, tu sais que des fois, tu sais, je vais sur YouTube et je tape RS3 et je vois, il y a un mec, il filme avec une GoPro, genre sur sa tête. Ouais. Il va dans sa voiture, il l'allume. Et je m'imagine à ça. Ça coûte combien, RS3? 50 000, 60 000? Ouais, 60 000 euros, je crois. RS3, ouais, c'est petit, mais ça coûte cher. Ouais, ça envoie. Voilà, donc ça, c'est ma voiture. Tu sais qu'il y en a qui pensent, Rouya, que t'es papa? Ah, avec mon neveu. Avec ton neveu, il y en a, ils m'ont dit ah, c'est normal, Canès et Prince, ils jouent plus ensemble, ils sont tous les deux papas, etc. Mais en plus, je laisse exprès, dans la vidéo, je laisse exprès, je dis viens, avec tonton, exprès, comme ça, les gens, ils se doutent, tu vois, mais il y en a, ils ont sauté ça. Ah, Inch'Allah, toi aussi, quand t'auras
un enfant, je vais dire la même chose. Je vais dire, oh là, il a. Hey ah, hey, le gamin, c'est. Hey, c'est tien. Hein. Il a le même nez, gamin. Ah, il le... sera pas développé. Ah, je le reconnais, hein. Il sera pas développé, le nez, à cette époque. Ouais, une fois. Ah, par contre, moi, une fois, je me suis fait contrôler à la gare de Nancy par des flics en civil. Ils m'ont attrapé dans un coin, ils m'ont dit, tu fais quoi? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça. J'étais en mode, comment ça, je fais quoi? Mais toi, tu vas où comme ça? Avec un sac à dos, avec une valise et tout. Bah, je vais à Paris. Pourquoi tu vas à Paris? Bah, je vais aller voir mon frère, je vais aller voir mon comptable. Ils m'ont dit, ton comptable? Comment ça, tu fais quoi dans la vie? Bah, j'ai une entreprise. Ah, ils m'ont laissé partir. Voilà, il m'a dit, tu vas où comme ça? Et pourquoi? J'étais en mode, mais vous êtes qui, vous? Ouais, il pose des questions bizarres. Après, le mec, il m'a dit, bah, à ton avis, je suis qui? Et c'est son collègue, il rigolait, il m'a montré sa carte. J'étais en mode, bah ouais, mais je suis pas deviné, moi, t'es flic, moi, j'en sais rien, moi. Je vois trois mecs qui me regardent. Et en fait, je les avais calés de ouf. Quand ils me regardaient et tout, je dis, eux, ils sont bizarres, tu vois. Genre, ça, c'est pas des fans, hein, c'est pas des abonnés. Hein. Mais c'est la seule fois où je me suis fait contrôler. Avec une fois à l'aéroport, en fait, je revenais du Maroc. En fait, je faisais Casablanca, Paris, et ensuite Paris, Strasbourg. Et quand je suis arrivé à Paris, mon avion était en retard, donc ça a décalé, donc j'ai raté mon avion à Strasbourg. Du coup, j'ai passé la nuit à Paris, j'ai repris un avion pour aller à Strasbourg. Et à Strasbourg, les douaniers ils m'attendaient comme ça. Ils m'ont dit, ah ouais, provenance du Maroc, ça vient tout seul. Et ça, en plus avec une valise, une grosse valise, tu rates l'avion. Allez hop, sur le côté, ils m'ont fouillé ma veste, ils m'ont dit, c'est quoi ça? J'avais des gants, frère, dans mes poches. Ils m'ont dit, c'est quoi? Je dis, bah ouvrez. Ils m'ont dit, non, nous, on ouvre pas. On passe ça au rayon X. Ils mettent ça au rayon X. Ils disent, ouais, c'est bizarre, il y a une forme bizarre et tout. Je dis, c'est des gants, wesh. Ils ont ouvert, ah ouais, c'est des gants. Mais qu'est-ce que tu fais en France? Et pourquoi? Pourquoi t'as raté ton avion? Je dis, comment ça? Pourquoi j'ai raté mon avion? Parce que l'avion était en retard. Et tu fais quoi ici? Et t'es parti faire quoi au Maroc? Oh là 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 là. Ah, ça y est, après, ils m'ont laissé partir, frère. C'est comme toi aux États-Unis. Ah. Oh non. Regarde, tes mauvais souvenirs, ça. Là, les mauvais bails, hein. Ouais. La deuxième fois, je passe avec une meuf, on me contrôle même pas. La première fois, je passe tout seul avec un mec. Ah ouais, c'est vrai, la deuxième fois, ils t'ont pas contrôlé? Ben non, ils m'ont rien fait la deuxième fois. Ils m'ont jamais rien dit, frère. J'arrive avec mon passeport marocain, écriture dorée à Roya sur un drapeau vert. Voilà, rien, frère. Ah, tu viens ici pourquoi? Pour le 3. Ah, cool, hop, allez, dégage. Ils ont plus peur des gens qui viennent de France que avec une connotation rebeu que... Ouais. Parce qu'un rebeu avec un passeport marocain, ça passe. Mais un rebeu avec un passeport français, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'était bizarre pour eux. C'est le background est bizarre. Snaku, comment il est passé aux States? Snaku, il a pas eu de soucis. Par contre, son frère, Hakim... Oh, on a rigolé, frère. Alors lui, frère... Il avait eu des problèmes, lui? Hakim Depuis l'aéroport en France, il avait des soucis, frère. Wallah, il y avait un shérif, il y avait un mec des Rangers ou je sais pas quoi, frère. Il est monté dans l'avion rien que pour Hakim. Wallah, on est arrivé pour enregistrer les bagages. La meuf des bagages, la Air France, ils ont dit monsieur, il y a un souci et tout. On doit appeler un mec de la sécurité américaine. Le mec, il est venu, un Renoir. Il a chopé Hakim, il l'a emmené. Il lui a dit ouais, comment ça se fait que t'es parti en Turquie? Comment ça se fait que ça fait 10 ans que t'es pas venu aux États-Unis? Frère, il lui a posé un questionnaire de ouf. Et après, il lui dit quoi? Il lui dit, de toute façon, je serai dans l'avion avec toi. What? C'était un mec des Rangers, je sais pas comment ça s'appelle, quel service mais spécial. Il avait le truc de la Turquie. Ouais, il avait un truc de la Turquie, tu vois. Une fois arrivé sur le sol américain, à Los Angeles, voilà, et pendant tout le séjour, on l'appelait Double Check. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait Hakim, oui, le mec, il regarde, il fait Hakim, Double Check. Et en fait, quand on dit Double Check, ça veut dire, on te prend ton passeport, on t'emmène dans un coin, frère, on te pose 4 milliards de questions. Ah oui. Moi, j'arrive. Tac, je prends mon passeport, hop, tu dégages, tu rentres. Frère, Hakim, on l'a entendu pendant 2h30 à l'aéroport de Los Angeles. 2h30, frère, on l'avait attendu. Ouais, oh comme moi, ils m'avaient attendu la première fois, voilà. Je dis, ah là, Hakim, c'est passé, frère. Roya, double check, encore une fois, j'en ai marre. En plus, tu peux pas te rebeller, Roya. Tu es fou, il te met une balle, frère. Voilà, tu rentres pas, frère. Tu fais le fou, frère, il te dégage. Tu prends le premier avion, tu dégages en France. Dégage. On me dit, ouais, les États-Unis, fais gaffe, Handek, présente-toi bien, évite de trop regarder le douanier, je sais pas quoi. Ouais, on dirait on va aller sur Mars, frère. Ouais, c'est vrai, voilà. Je dépose mon passeport. La première fois, c'était en 2017. C'était à New York. Voilà, l'aéroport, c'est un dépôt, frère. Tu vois l'aéroport qu'on a au Bled? Voilà, il était un milliard de fois plus classe que JF Kennedy, frère. Voilà, l'aéroport, c'est un dépôt. Bref, j'arrive et tout. Il y a 4000 fils. Ceux qui viennent d'Europe, ceux qui ont un visa B2. Ça fait, parce que voilà, il y a différents types de visas, je sais pas quoi. Moi, j'avais un visa B2, tu vois. C'est un visa longue durée. Donc, je passe. Et le douanier, frère, c'est un Mexicain, tu vois. Il rigole, hop. Il rigole pas du tout. Je dépose mon passeport. Et il me dit, ouais, enlève ton billet du passeport. J'enlève le billet, etc. Et il y avait un mec à côté de moi qui passait en même temps, tu vois, à la douane. Il s'est retourné. Et je sais pas pourquoi, il m'a regardé. Le douanier, frère, comment il l'a engueulé. Wallah, j'ai sursauté, frère. Il a fait, tu regardes pas, tu tournes, tu regardes tes affaires. Je suis en mode, what? Oh là, on dirait c'est son enfant, frère. Et je dis, ok, wallah, je fais le mort, je bouge up, tu vois. Et il m'a posé 2-3 questions. Pourquoi tu viens ici, Anna? Je dis, pour le tourisme. Ok, comment ça se fait que t'as le passeport marocain? Je suis né en France, mais j'ai jamais fait la demande du passeport français, etc. Ok, tu fais quoi en France? Bah, je fais des vidéos, etc. Ok, tac, ça dégage. C'est pas assez normal, tu vois. Et on a un frère, ça se passe différemment. Ouais. Non, ça se passe différemment. Moi, mon grand frère, Amine, lui il a le passeport français, tu vois. Et il est parti, à un moment donné, il a fait un circuit.
Il est parti du Maroc, il est parti en Floride, il a fait Miami, après il est parti au Mexique, Cancun, okay. etc. Et quand il est revenu, il est repassé par Miami, ils l'ont attrapé, frère, à Miami. Allez hop, il a dit, ouais, t'es parti faire quoi au Mexique? Tu sais, Zama, tu sais, parce qu'en fait, c'est le réseau, okay. c'est la destination parfaite pour la drogue, etc., ouais, tu vois. Ouais. Ils l'ont fouillé, tu travailles pour qui, à l'Alèche et tout. Ah, frère, il m'a dit pendant 4-5 heures, frère. Oh là là, c'était relou. Et en plus, il te repose 10 000 fois les mêmes questions. Et ils ont même appelé carrément son entreprise et tout. Oh là là, frère. C'est grave. Ah ouais, frère, ils font des trucs, des double check. Moi, ouais, j'ai envie de voyager, frère, j'en ai marre. Ah bah oui. J'en ai marre, frère. Toujours être là. Là, on dirait on est assigné à domicile, frère. On dirait on est des évadés, frère. On a des bracelets. On est confinés. Ah, ce qui paraît, ouais, troisième confinement, ça arrive là. Eh, hey, Roya Prince, je vais commencer les animés. C'est-à-dire les mangas, tout ça. Mais tu sais que même moi, je connais pas. Ah ouais, t'abuses. Ouais, moi je connais que Dragon Ball Z. Ah ouais? Que les Dragon Ball Z. Genre SNK, tu connais pas? Erase, tu connais pas? Non, moi je suis perdu dans tout ça. Hippo, tu connais pas Hippo? Yu-Gi-Oh, tout ça. Ah ouais, c'est la base, frère, t'abuses. Par contre, il y a une série qui me. One Punch Man, tu connais pas? Non. Attends, il y a juste un truc qui me. Parce que je vois beaucoup de monde qui parle de ça. C'est le choc des titans ou le truc des titans. Ouais, SNK. Oh, c'est trop bien, frère. Ah, c'est ça, SNK. Ah ouais, ouais, regarde, il y a 4 saisons, regarde, elles sont stylées de ouf. Attends, voilà que je le note. Et donc, toi, tu regardes quoi en ce moment? SNK, Erased, Hippo, JTO. C'est quoi ça, Hippo? Ah, Hippo, frère, c'est un petit qui apprend la boxe. Il se fait martyriser par ses. Tu vois, il apprend la boxe et il devient chaud, quoi. Et tout ça, c'est sur Netflix? Hunter x Hunter? Ouais. Ah, en ce moment, j'ai du temps, regarde. Ah ouais. Tu bois du café? Tu bois du café? Ouais, je me suis fait un latte macchiato caramel. Oh là 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 là. Comment c'est trop bon. Ça c'est un truc de meuf ça. Hein? Ça c'est un truc de meuf ça. T'as maigri, t'as maigri ou t'as grossi, Roya? Non, depuis que d'avant. Non, j'ai grossi quand même un peu. Quoi? Des fois je maigris, des fois je grossis, des fois je maigris. Je sais pas, je comprends pas. T'as combien là? Je sais même pas, je dois être à 60. Ouais, si, je dois être à 66, 67. Avant je faisais entre 57 et 64. 48, 47, ouais. Non, je te jure. Tu vois ça? Tu vois pourquoi t'as grossi? C'est la ménopause, Roya, à mon avis. C'est la ménopause. C'est sûr. T'as pas remarqué, frère, la ménopause, tout le monde grossit, frère, c'est sûr c'est la ménopause. Non, c'est pas la ménopause hein. Ah, Roya. Non, Roya, ça c'était les J'ai un cousin, frère, il a fait médecine, Roya. Il m'a dit c'est la ménopause. C'est des hormones et tout, tu vois. Tu prends du poids, ton métabolisme il ralentit, tu vois, c'est normal. Là, t'as un petit ventre ou pas? T'as un petit bide? Avant, j'avais des abdominaux hein. Maintenant, non, mais là t'as un petit bide? Ouais, un peu. Ah, voilà, ça c'est le ventre du daron. Voilà. Ouais, ça c'est le ventre de la trentaine. On appelle ça le BDB. Voilà. Ouais, le BDB. Bidi bled. Voilà, le bidi bled. Bah lui, j'ai pas encore un gros ventre, mais genre j'ai un mini ventre. Voilà, frère, je suis sûr, voilà, il se pèse, frère, il fait même pas 60 kilos, il parle de ventre lui. T'as commencé ce sport de combat, t'as commencé? La muscu, t'as fait la muscu. Est-ce que tu veux que je fasse la muscu ou qu'est-ce que tu veux que je fasse des muscu? Tu fais la muscu ou tu fais pas la muscu? Dis la vérité, tu fais la muscu. Des combats, alors qu'on est enfermé chez nous et il y a un virus qui. Le voisin, frère, casse tes couilles, les sports de combat, frère. Mais Rouya, il y a un grand rappeur qui a dit J'ai pas besoin. Attends, c'était quoi déjà? Je préfère m'acheter une arme qu'aller faire du karaté. Rouya, c'est mieux. Le mec il vient, il fait du karaté ou lâchez pas, il commence à se mettre en position, Roya, une arme. Ouais, va expliquer ça au juge. Bah je lui dis, au moins j'ai gagné du temps. T'as une arme chez toi? Ah non. Bah alors non, toi, ni arme ni karaté, ouais l'eau. J'ai la boîte de baseball de comment il s'appelle? Walking Dead là, t'as Lucie. Voilà. Mais du coup dit, ah oui, effectivement. Ta musculation, t'as commencé la musculation? Tu fais un peu de musculation? Non, la dernière fois j'ai voulu porter. T'as vu, genre, j'ai fait le mec Zerma qui achète les trucs chez Decathlon et tout là, le truc ouais. Pour porter et tout. Ouais. Voilà, j'ai porté 3 ou 4 fois. Voilà. T'as porté quoi? Des courbes. Les trucs là, la barre de. Chat, avec les poids. Ouais, mais tu l'as acheté ou pas? Voilà que je l'ai acheté. Ouais. Rien. Et je l'ai porté, j'ai porté 4 fois. Mm-hmm. T'as vu? T'as vu combien de fois? J'ai mis 10 kilos en tout, elle faisait. Roya, 10 kilos, mais Roya, écoute-moi, voilà, j'ai porté 4 fois, j'ai eu des courbatures pendant 3 mois, et je l'ai posé, voilà, je l'ai posé, là depuis elle a pris la poussière, je la regarde, elle m'insulte, mais 10 kilos, tu te rends compte? 10 kilos, c'est lourd 10 kilos quand même, j'ai porté 10 kilos 4 fois. Roya, faut y aller mollo Roya, pétain. Eh oui, bah c'est ça que je dis aux gens, mais ils me comprennent pas. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est parce que toi tu me comprends. Bah bien quand sûr. Quand je dis ça aux gens, 10 kilos. Ils se moquent, ils rigolent. Ils se moquent, bien sûr. Oui. Ils disent, ah c'est tout, 10 kilos. J'ai dit, va les porter toi les 10 kilos. Voilà. Là ça va. Là j'ai commencé, j'ai les haltères pour les bras, 15 kilos. C'est pas ouf, hein, mais ça passe. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour la prise de masse, etc. Tu vois.
Moi, pour moi, par exemple, je pourrais pas, tu vois. Si tu peux, frère, 15 kilos. Non. Tu peux. Bah, avec deux bras, tu peux. Ah, non, j'arrive pas à 10 kilos déjà, frère. J'ai fait 4. J'étais allongé pendant 3 heures après dans mon lit. Ah ouais, je... Mais c'est pas normal. C'est pas normal, on est d'accord. Pourquoi t'as fait ça? Tu voulais prendre la masse? Écoute, Roya, j'ai vu un clip américain, j'ai vu avec des meufs, le mec il était stock, j'ai dit attends. Mais frère, ouais, ça mais fait ça des... dans ma tête, comme dans les films. Mais oh, c'est des Américains, frère, t'es pas Américain, j'ai imaginé. Oui, mais c'est pareil, je suis Algérien, c'est pareil. Genre, ouais, j'ai, ça fait dans ma tête, j'ai dit décasse. Bah, attends, moi j'ai une question. Pourquoi tu revendiques jamais ton côté marocain? Ça, je veux savoir. Alors, je revendique pourquoi. Pourquoi tu dis t'es Algérien? T'es pas Algérien? Alors, c'est pas vrai, je revendique jamais mon côté marocain. Tu sais pourquoi? Pourquoi? La vérité, je le revendique parce que j'ai jamais caché que les Marocains, l'hospitalité marocaine, c'est la meilleure de tout le monde. De Maghreb, le Maghreb entier même. L'hospitalité marocaine, chez nous, c'est quand même assez important et ça, je le revendique. D'accord? Après, le côté marocain, le côté algérien, pourquoi je le revendique plus? C'est parce que quand j'étais petit, j'allais plus en Algérie qu'au Maroc, déjà d'une. Et de deux, c'est parce que... c'est normal, t'es jamais parti au Maroc. Oui, là, je suis parti au Maroc 3 fois dans ma vie. Les escales, ça compte pas. Hein. Quoi? Non, je suis parti 3 fois dans ma vie. 3 fois. Et en Algérie, donc, t'es parti combien de fois? Pouah, je les compte même plus, Roya. Arrête. Jusqu'à un moment, j'étais fatigué. Je leur disais, bah, moi, ça y est, je suis grand maintenant. Allez-y sans moi. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. Voilà que. T'es moitié Marocain, moitié Algérien. Oui. C'est comme les gens qui me disent, tu choisis quoi entre l'Algérie et le Maroc? C'est quoi? C'est quel genre? Bah, tu choisis l'Algérie, toi? Non, voilà que n'abuse pas non plus. Vas-y, parce que tu revendiques pas le côté marocain. Revendique le côté marocain aussi, wesh. Ok, je le revendique maintenant, le côté marocain. Voilà. Alors, tu dis ça? Voilà. Il y a pas si longtemps que ça, je me gambadais chez moi avec le survêt du Maroc. Alors arrête. Ah, survêt, c'est pas revendiqué, n'importe qui peut mettre un survêt. Non, mais c'est quand même. Quoi? Demain, je mets le truc algérien. Je revendique rien du tout. Je mets parce qu'il est beau, tu vois. Non. Moi, le survêt du Maroc, je le mets parce que je suis fier d'être marocain. Non, parce que. Parce que tout ton linge, il était sale, frère. C'est le seul t-shirt qui te restait. Non. Ah, on connaît. Voilà, on connaît. Jamais de la vie. Mais ça va pas, non? Attends, quand même pas. Attends, toi, tu veux que je me fasse rayer du livret de famille? Ça va pas, non? Déjà, dès que je mets un truc, Zama, Brésil, ou déjà, mon daron, tu sais, commence à mettre des coups de sève. Moi, j'aurais été moitié algérien, moitié marocain. Oh là, les deux, je revendique. Mais arrête de me faire passer pour un mec qui revendique jamais le Maroc. Tu revendiques pas, Dan, fais une vidéo, tu revendiques. Tu dis, je m'excuse. Je m'excuse. Je vais la prochaine vidéo, je vais la faire, je dis pas je m'excuse. Et je dis voilà, grosse dédicace à tous les Marocains. Je dis même pas les Algériens. Je dis que tous les Marocains, voilà, on est ensemble. Bah non, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire ça. Tu dis voilà, je suis Marocain. Okay, la vidéo elle dure 5 secondes. Je suis Marocain. Like, abonne-toi. Bah alors, je sors pas de vidéo. Alors écoute, je sors pas de vidéo depuis au moins un mois. Je reviens, je leur dis je suis Marocain. 5 secondes, ça y est. Tac, je finis. Bon, regarde, bon, là, je suis capable. Mais après, ça y est, c'est fini. Hein. Déjà là, les gens m'ont oublié. Alors, si je reviens avec ça, ils vont me dire bon. Mais non, les gens, ils t'ont pas oublié, arrête. Tu penses que les gens, ils t'ont oublié? Tu sais, regarde, sur YouTube, quand tu dépasses, je pense, 15 jours. Ouais, non, je sais, à un moment donné, ouais, ils t'oublient, c'est normal. Bah oui. Mais ils t'ont pas oublié, frère. Bah non, mais parce que je vais refrapper fort. Ah, voilà, avec la vidéo, je suis marocain, justement. Hein? Voilà. Ça, on pourrait le dire dans une vidéo GTA, par exemple. Il y a les nouveaux braquages à faire. Ah non, mais vous connaissez pas nos vidéos avec Prince ou quoi? Il y a ni braquage, ni Wallo. Non, Kouya, nous, on GTA... On a pas besoin de ça. Kouya, GTA, NS, Prince, allume. Tu sais même pas quand ça va s'arrêter. Tu sais même pas quand ça commence, en vérité. Voilà, exactement, c'est voilà, vrai. Voilà, les vidéos, elles commencent en mode... Prince, t'es où? Voilà, début de la vidéo. Voilà. Et moi, je suis de l'autre côté, je suis en train de chercher mon casque. Je reviens en face, je dis, ouais, je suis là. Attends, oh putain, minutes. La manette, y'a plus de batterie, tout, putain. Voilà, c'est-à-dire que ce genre de vidéo, je lui dis 3 jours avant, on va filmer. Il me dit, t'inquiète, ouais, je suis prêt. Le jour où on filme, putain, la manette, elle est pas chargée. Je dis, wesh, t'as un cerveau, t'as pas de cerveau. Des fois, wallah, on a enregistré pendant 2 heures. Et il me dit quoi? Quand Prince vous dit à la fin, Anes, devine quoi? C'est qu'il y a toujours une mauvaise nouvelle. Voilà que c'est vrai. C'est toujours en mode. Wallah, le fils de pute de logiciel, il l'a pas enregistré. Putain! Déjà! Je te rappelle! Oh là là! Anes, il dit bon, vas-y. T'entendais Anes, il dit. Anes, devine quoi? Je dis oh non! Oh non, vas-y. Non, le devine quoi ou t'inquiète, dans un jeu vidéo, t'inquiète. C'est faut t'inquiéter, frère. Mais en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand on lance une vidéo, par exemple, c'est comme si que toi, t'allais jouer avec ton pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça. Tu vas jouer un jeu avec ton pote et voilà, t'oublies la caméra. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais eu de surplus, de trucs. Ah, NS. Ouais. Et voilà, c'est vrai. Il n'y a jamais eu de NS, vas-y, viens, on fait ça comme ça. Viens, on fait ça.
Il n'y a jamais rien eu. Déjà, Rouya, quand tu entends dire « Prince, t'es où ? Attends, je cherche ma manette !» Rouya, tu sais très bien que là, ça commence mal, d'ailleurs. C'est la rue, frère. Voilà, exactement. Mais là, je suis pas d'accord, Rouya, parce qu'il y a une partie de toi qui a changé. Il y a une partie de toi actuellement qui est au garage. Il faut que tu la récupères, Rouya. Rouya, je suis obligé de la récupérer, mais ça, pour ça, va falloir que je... Faut charbonner. Voilà, exactement. Voilà, c'est un objectif. Mais exactement, je vais faire une vidéo tous les jours. Ah, voilà. Là, j'aime bien. Nique sa mère, la qualité. On la quantité, voilà. Voilà, je me suis emmêlé les bateaux. Tu vas voir quand tu vas revenir, là, ils vont dire, bah, t'arrives quoi, prince? T'es en manque d'argent? C'est la haze ou quoi en ce moment? Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ils vont me dire, c'est oh putain, ah ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, faut alimenter le compte PayPal et tout, là. Pour toi, c'est quoi la meilleure période sur YouTube? C'était quoi? Ma meilleure période? Financièrement parlant, ouais. Financièrement parlant, c'était en 2018. Ouais, ok, ouais. Moi, pour moi, c'était... Ouais, c'était 2018 parce qu'il y avait des OP à tout va. Parce que c'était bien, parce que c'était la Isha, c'était cool. Ouais. Et après, la pire des périodes... Juste, bah, depuis 2019, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Et toi, genre, la meilleure période, pas financière, même pas financièrement parlant, la meilleure... Là où tu penses que, ouais, pour l'instant... C'est, hein, c'est 2018, hein, je crois aussi, hein. Ouais, 2018, ok. Ouais, c'était cool comme... parce que c'est la période en fait où je découvrais le RP, etc. Tu vois, genre, ouais, c'est vrai, 2018, c'est c'était, vrai. C'était l'année, j'étais RP 2018. Donc, ouais, je dirais 2018. En même temps, 2016, 2007 aussi, tu vois. Genre, mais 2018, c'était plus. Attends. 2018, c'est la période où tu découvres GTRP, c'était la meilleure période pour toi. Mm-hmm. Et quand tu m'as rencontré. Genre, ah ça, non, on parle de gaming. Toi, ah. Ça a toujours été toi la meilleure période, Roya. Ah, voilà, c'est. Ça remonte. Ça monte à longtemps. C'était en 2014, non? Rouya, c'était avant mon YouTube. 2015. C'était 2015. Ouais, sur HZ1, ouais. Février 2015. Tu mangeais tes petits M&M's. Ça nous rajeunit pas, gamin, hein. Rouya, ça nous rajeunit pas, mais ça nous éteint pas non plus, hein. 6 piges, hein. Attends. Ouais, 6 ans. J'avais même pas... Écoutez, hein, j'étais même pas sur YouTube. J'étais même pas sur Twitch. J'étais nulle part. J'étais nulle part. À l'époque, c'était Prince Kader. Et à l'époque, c'était Prince Kader. Ouais, c'est vrai. Ouais, HZ1, ça date. Oh, de ouf. HZ1, c'était Franchement, moi, je sais pas si c'est le fait d'être nostalgique de ça, mais voilà, pour moi, c'était le meilleur jeu où je prenais du plaisir. Ouais, mais frère, t'as vu quand je faisais des games avec des gens et tout, c'était n'importe quoi. Non, mais c'était ça que j'aimais bien, moi. C'était genre, ruineur. On était là. Rouya, en fait, toi, t'as ta conception parce que c'est ta vision des choses. Toi, c'était un bordel. Ah ouais, de ouf. À l'époque, NS, déjà, il disait « Ouais, vas-y, je vais sur ce serveur-là, tac, nanananana. » Rouya, le serveur, en 30 secondes, tu pouvais plus rentrer. Eh oui. C'était n'importe. Mort, il y avait tout le monde, tout le monde. Et t'as entendu ma magnifique voix mielleuse. Ouais. Mais c'est mon charme. Ouais. Tu m'as parlé du sac, shoot et des brimettes. Voilà, je dis, attends, mais c'est qui dit shootgun, là? Voilà, lui, je dis, c'est lui, voilà. Il est vraiment spécial, hein. Alors, il est spécial. Fusil de pompe. Oh là là. Voilà, c'est vrai. Et notre amitié, elle a commencé comme ça. Notre amour. C'est ex. Notre histoire d'amour. C'est magnifique, ça, c'est ça. Tu vois, c'est comme ça. Là, j'ai envie de baisser mon pantalon. Oula. J'ai envie de te faire des bisous. Ah, ok. Yeah, arrête. Fais des guillis, là.